Alors, on va en profiter pour se soigner et enlever le plus de malus possible. Ah, j'ai mon malus de force qui a disparu, c'est parfait. Et ben très bien, du coup, sortons de cet endroit. Et je suis sûr, j'ai un pressentiment que quelque chose va arriver une fois que j'aurai passé cette porte. Je suis persuadé à 1 milliard de pourcents que ça va arriver. Et je n'aimerais pas que cela arrive. Gardez vos distances, sorcière. Je connais vos lois. Or, je sais que nous n'en avons enfreint aucune. Vous connaissez nos lois. Et moi aussi, je vous connais, mon enfant. Je crois que le silence est votre meilleur allié. Regarde, Sheva. Voici l'hérétique qui profane nos terres et attire une armée devant nos portes. Quel est votre nom? Prenez garde à vos paroles, car vous vous adressez au Viclaran. Ainsi donc, Magda disait vrai? Des Taïens tout droit sortis des ombres? Du calme, Katia. Tu es une sorcière à présent, pas une fille de ferme. Vous avez combattu nos ennemis mortels aujourd'hui, et vous les avez repoussés. Je serai donc clémente. Cependant, le dieu Ours campe désormais devant les portes de notre ville, à la tête d'une puissante armée d'esprits. Il vous accuse d'avoir profané sa tanière sacrée et libéré un mal ancien et puissant. Et il ne ment pas. Votre aura est entourée de zones d'ombre, d'une noirceur monstrueuse. Comment pouvons-nous être sûrs que vous n'auriez pas tué Lyena vous-même? Et qui nous prouve que vous ne ferez pas subir le même sort à Magda? Apaisez le dieu Ours. Et nous vous traiterons en amis. Seule? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour vous abandonner maintenant. À moins, bien sûr, que vous ne vouliez plus de mon aide. Aucune sorcière ne consentira à se battre contre les esprits de la Terre. Mais vous avez vaincu les magiciens rouges. Aussi vous accorderai-je une faveur. Allez à la prison, au nord de la ville. Tout prisonnier acceptant de se battre à vos côtés gagnera sa liberté. Nous vous suivrons de loin, et nous accepterons de vous revoir, si vous survivez. Eh ben dis donc. Ah, oula. Bonjour, oula, c'est vous, on dirait. Vous n'avez pas pu nous empêcher de l'entendre. Si une armée d'esprits vous attend aux portes de Mulsentir, vous aurez besoin d'aide pour combattre. Mon arc et l'épée de mon frère sont à votre service pour peu que vous acceptiez de nous aider à retrouver notre sœur Kaelin la Colombe. Avez-vous une idée d'où se trouve votre sœur? Et venez ici pour retrouver la forteresse à mon aide de Myrcule, le dieu de la mort situé dans le Mulsentir de l'ombre. Et pourquoi n'y allez-vous pas? Dans le sanctuaire de Myrcule serait un sacrilège aux yeux de... Mais comment est-elle pas un sacrilège alors? A renoncé sa foi. Oh. Qu'elle ne devienne elle-même martyr. Eh bien écoutez. J'accepte. Prenez garde car la forteresse du dieu de la mort est sans doute encore bien protégée. Alors, il s'est passé plein de choses avant que je me fasse interrompre par ces deux personnes. Alors, la fille prodige, vous avez rencontré deux parents, demi céleste et Fred le serre, voilà. Alors, si vous parvenez à retrouver Kaelin, celle et sauve, vous en promis une récompense et j'aurai de vous aider dans la bataille contre Oku. Très bien. Des animaux affamés, la prison est située à la limite, donc ça c'est la bataille contre Oku aussi, c'est ce que l'on va faire. La colère du dieu ours, donc ça c'est la quête principale. Et une alliée du voile... Ah, et donc, c'est donc. Donc. Alors, oula, qu'est-ce que. Oula, oui.
Vous pouvez trouver mieux sentir d'autres portails. Ah, peut-être que grâce à Pierdon, vous trouverez mieux sentir d'autres portails vers le plan de l'ombre. Oh, voilà qui est très intéressant. Une femme avec un vous savez que cette présence toujours en vous, donc ça c'est moi-même, et la croisade du parjour, c'est le bouquin. Donc, cette quête-là et cette quête-là me permettra de faire cette quête ici, et une fois que ceci sera fait, elle me permettra de faire cette quête-là. Eh bien écoutez, pour le moment, ces deux personnes vont devoir attendre, puisque je m'en vais dans la prison, savoir à qui je vais avoir affaire. Et la prison est extrêmement loin dans Mulesentir. Mais d'abord, étant donné que j'ai combattu et que j'ai beaucoup d'objets, il est temps d'aller vendre. Est-ce que je peux parler aux gens d'ailleurs? Alors, Mère Féodora, nous sommes un peu réservés mais chaleureux envers ceux qui nous respectent. Faisons affaire. Oh, oui, je veux bien faire affaire avec toi. Tiens. Oh, les robes qui se vendent, à un prix défiant toute concurrence. Cette ceinture ne me servira plus à rien. Cette épée plus 3 ne me servira plus. Et ce voile ne me servira plus. Oui. Et pour cette chère Safia, tout ça ne lui servira plus à rien. J'attends toujours de savoir comment on utilise ces cailloux. Alors, qu'avez-vous à vendre des rouilles? Donc ça, c'est ce que je vous ai vendu en termes d'armes. Sylvlem. Altération, force plus 2, déplacement silencieux, moins 4. Hein, pas très intéressant. Vérité d'Aromal. Oui. Ah, est-ce que tu as des potions? Oh, si elle a des potions, c'est ce qu'il me faut impérativement. Non, pas beaucoup de potions. Des anneaux, des sceptres. Et des planches de chez les rannes, introuvables hors du bois de Palhiver. Le bois, très bien. Bon. Ah, mais je peux lui vendre cette robe de vision totale. Ah oui, c'était pour moi la base. Bon, bah écoute. Ah oui, j'ai évidemment des arcs, des trucs et des machins que je trimballe depuis un petit moment déjà. Voilà qui est mieux. Mon ami le marchand n'a, semble-t-il. Ah bah il est juste là le marchand. Montre-moi, je suppose que tu n'as rien de plus. Rien de plus. Eh ben, allons explorer un petit peu cette ville. Je n'ai pas eu le temps de l'explorer, je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose dedans. Donc, autant voir ce qu'il y a. Allons voir un petit peu les quais. Et peut-être aurais-je quelques informations sur ce qui m'attend. Femme du peuple, maître du pack. Ah, le sloop. Le sloop. Un petit peu drôle. Le stoop. Ouh, c'est un grand endroit. Okay. Table vermoulue, chaise branlante, tas dessous. Ah, un homme pourrait. C'est bientôt l'heure de la représentation. Oh, une table vermoulue. Oui. Ah non. Un jeu qui vient de Softlock. Le jeu m'a fait peur. Il m'a fait extrêmement peur. J'aimerais savoir pourquoi le jeu peut Softlock. Qu'avons-nous ici? Vladek. Bienvenue au Slab, je suis Vladek, propriétaire de ce magnifique estrade. D'accord, eh bien parle-moi de cette auberge. J'ai acheté le Slab il y a quelques années avec ma femme. À cette époque, ce n'était qu'une sorte de musée sans intérêt. Je transformais le Slab en auberge. Vous n'avez pas l'air d'aimer le théâtre du voile. Je n'ai rien contre le voile, je vous assure. Magda est une naine très respectable et pourrait sûrement en remontrer à ma femme Zora un verre à la main. Le problème, c'est que le voile est une relique du passé.
Les gens ne veulent plus voir de grands drames épiques. Il y a donc une demande. Et le slop ne pourra pas rester longtemps. C'est pour que je dessine la compagnie du slop. La compagnie du slop, c'est un chouette nom, pas vrai? La troupe joue des farces et des comédies de pièces légères destinées à l'homme du peuple. C'est intéressant. Nous travaillons sur la fille du gros magicien. Oh, eh bien écoute. C'est un projet. C'est un projet. Brandy, joignez-vous à nous. Guylaine Vink, faites un peu de place à notre ami. Ne vous souvenez pas de lui. Et qui êtes-vous? On se souvient juste de la boue et du poids de votre maudit chariot. J'en ai encore les épaules engourdies. Ah, c'était les personnes devant Mulsentir. Leur compagnie était garagrave et ils nourrissent une fidélité indéfectible envers mon or. Vous avez réussi à désembrouiller votre chariot. Heureusement, oui, et juste avant l'arrivée des esprits. En vrai, coup de chance, c'est moi qui vous le dis. Et puisque ma chance est amablement suivie de malchance, j'ai pensé que je ferais bien mieux de noyer ma malchance dans l'alcool. C'est une façon de voir. Nous rentrons à redire ma logique, c'est pourquoi nous sommes ici. Ah, avez-vous quelque chose à vendre alors? Absolument rien, j'en suis fort aise. Comme cette toute personne sensée, je mets un point d'honneur à détester mon matériel. Cet endroit est plutôt animé. Pas pour ma part, j'aime l'ambiance chaleureuse. Si vous avez la patience d'attendre que les acteurs désoulent. Qui sont les clients? Des bandits et des vauriens, tous sont les exceptions. Oh, parlez-moi un petit peu du patron. D'avoir autant de noms qu'il a d'histoires à raconter. La magnifique femme que vous voyez là-bas est son épouse Zora. Si jamais il vous prend envie de faire une remarque sur ses canines, prévenez-moi, je dirai une prière pour vous. Et qui sont ces guerriers hachémites? Ce sont les pirates du coin. Oh, savez-vous quelque chose? On raconte que son père était un grand esprit ours. Oh. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, j'en sais pas mal maintenant. J'en sais pas mal sur tout ce monde. On va continuer de parler. Ouh, les pirates. Les pirates, vous n'êtes pas le bienvenu. Oh, tu me fais à moitié peur. Tu me fais à moitié peur, mais... Mais, j'aimerais éviter de me retrouver dans une certaine panade. Je ne bois pas avec les étrangers, très bien. Fildran aux 11 chaises. J'arrive où je suis tellement saoul que j'ai invité un chien étranger à notre table. Ah, la fille, elle ressemble à une taille... Ouch. Ah. Mais c'est vraiment une taille, si c'est ça le magicien rouge, je crois pouvoir... Oh. Je peux faire un bluff. Je sens que je peux déclencher une petite bagarre, mais je vais éviter ça. Gain d'influence. Oh, gentil. J'apprécie votre intervention. Je n'ai pas l'intention, par contre. Je vais la découper en morceaux. Et il y a très exactement 2, 3, 4, 5. 5 personnes. 5 personnes. Et bon, on va casser la gueule à Jean-Mi là-bas. Je ne vais pas du tout m'en sortir. Je l'annonce tout de suite. Oui, je... On va mourir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien de faire cela. Je suppose aussi que mon personnage est un petit peu trop faible. Ce qui serait pas mal. Mais voilà, au moins je sais qu'il faut pas inviter des étrangers à la table des pirates parce qu'ils sont un petit peu sensibles. Là nous avons quoi? La cuisine, je suis... Ou la réserve, au choix. C'est une réserve, tout ce qu'il y a de plus classique. Et il y a cet endroit là-bas. Sûrement le couloir. C'est sûrement le couloir, oui. Et peut-être même qu'il y a des chambres. Porte d'une pièce, porte d'une pièce. Est-ce que je m'essayerai au creux? Porte de la suite. Oh! Qu'est-ce que cela est? Oula, 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 la 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 la. Dites donc. Je vois que c'est bien. Ah. C'est bien protégé tout cela. Voilà. Il va sûrement falloir que je cherche des pièges. À mon avis,
Dieu sait s'il y a pas mal de choses ici. Évidemment, cette armoire est piégée. Et sûrement que ce coffre aussi. Ou même pas. Je vais simplement prendre les pièces. Je vais pas aller plus loin. Et dans cette chambre, il n'y a pas plus. Oh, potion de guérison suprême. Ça, c'est très très intéressant. Une pièce de l'auberge, une pièce de l'auberge. Oui, rien de plus. Je vais pas aller plus loin. Et je vais sortir. Je n'ai pas vu ce personnage en arrivant. Tenez-vous tranquille, sinon. Très bien. Bon. Ou alors je peux. Ah, ok. Sûrement une personne qui est un petit peu. Bourrée. Oui, je pense que le mot bourré convient. Bien, et bien nous avons découvert le slop. Ce petit. Et en plus, il s'est ajouté à notre. Le slop s'est ajouté à notre carte. C'est assez drôle. Là-bas, nous avons un bateau. Un bateau, donc ce n'est que les quais. Femme du peuple, maître du lac. Ah, je voudrais te parler. C'est dû à Nimo approche d'un peu trop près. Oui. Je vois peut-être un petit peu... Oh, marchand de la caravane. J'ai parcouru la voie dorée. Très bien. M'intéresse pas trop. Oh, 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 tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce que... Que c'est que ceci? C'est le bateau le plus rapide de tout Mulsentir construit à l'aide de mes pouvoirs des pouvoirs magiques de ma fille. Oh, est-ce que je peux le toucher? Ce bateau est enchanté pour utiliser, vous devez connaître le mot de passe. Oh. Un bateau enchanté qui me permettrait de naviguer. Voilà qui est intéressant. Oh, il y a un temple là-bas. Une porte. Non, non, d'accord, c'est juste une porte. Maison Rachimi, d'accord. Ah, j'ai rajouté une annotation. Oui, j'ai vu, il a rajouté une annotation. Ah, l'annotation sur la carte. Intéressant. Eh bien, on va voir le temple. Ça, c'est très intéressant quand on découvre des choses au fur et à mesure sur la carte. Alors, qu'avons-nous dans ce temple? Bonjour monsieur. Bonjour étranger, avez-vous perdu un proche? Désirez-vous que j'accomplisse le rite de passage? Quel est cet endroit? Un lieu de foi, un temple à la gloire de Kelemvor, seigneur des morts. Nous ouvrons nos portes aux malades ou aux mourants afin qu'ils puissent trouver la paix intérieure. J'ai rencontré deux demi-célestes dans l'île. Ils étaient à la recherche de leur sœur Kaelin, la colombe. L'auriez-vous aperçu? J'ignorais que la meute était de passage à Mulsentir. Non, je ne l'ai point vu, cela fait un moment que Kaelin n'a pas rendu hommage à Kelemvor. Je crois qu'elle s'est désormais tournée vers Ilmater, le dieu de la souffrance. Je suppose que si Kaelin était à Mulsentir, sa présence aurait été remarquée. Peut-être était-elle glissée sur notre plan. Oh. Il n'y a pas si longtemps, la meute voyageait librement à travers les plans, mais leur petite communauté est aujourd'hui dissoute. Du moins, c'est ce que l'on raconte. En fait, j'ai trouvé un livre, un ancien livre, dans un tertre situé au nord de la ville. Oh. C'est une ancienne légende, souvent racontée et souvent déformée pour s'adapter aux besoins du conteur. Je suis pour ma part un bien plus être conteur, d'autant plus que mon ordre ne goûte guère à cette histoire. Que savez-vous? Ce temple a connu trois dieux de la mort, blablabla, très bien. Le vers des infidèles.
lentement incroyable. Akechet-il réussi? Vous ne me dites pas toute la vérité. Peut-être, mais si je mentionnais par omission, je vous ai dit ce que je sais, le reste n'est que rumeur malveillante. Très bien, mais pourquoi voulait-il abattre? Bien, qu'est-ce qui est devenu du parjure? Ah, la mise à jour sur la croisade du parjure. Qui représente ce mur? Et que savez-vous, nos signaux fidèles? Avez-vous quelque chose à vendre? Ah. J'ai autre question. Avez-vous quelque chose à vendre? Ah, nous faisons commerce de rien. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. La croisade du parjure. Le prêtre, vous connaissez bien cette histoire. Elle vous a raconté comment Akechet, puissant prêtre. C'est à peu près tout ce que je savais. Mais vous pouvez trouver d'autres détails dans un ancien parchemin, les lamentations des morts. Si ce parchemin existe toujours, il se trouve probablement dans une ancienne forteresse autrefois consacrée à la foi de Myrcule d'Arovic. C'est pas son emplacement exact. Oh, de chercher dans les ombres du sentir. Petite quête annexe. J'ai très bien fait d'aller dans ce temple de la mort, semble-t-il. C'est un concept quelque part. Là, il faut bien des dieux pour tout le monde. Bien, 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 bien. Eh bien, ce temple était, ma foi, fort intéressant. Je vais continuer à faire le tour. Je pense que je vais aller dans cette direction. Oh, tiens, un autre lieu. Loge du troll des glaces. Des berserkers qui s'entraînent sûrement. J'ai encore perdu, c'est vraiment incroyable. Oh bonjour à vous, ça. Combien de parties a-t-il gagné aujourd'hui? Soit doit faire 5 ou 6 victoires d'affilée. 100 jours de chance. Il n'y a rien à comprendre, Akashi était le plus mauvais joueur de fléchette de la loge. Je crois que je n'avais pas remarqué jusqu'à votre présence, mais maintenant que vous le dites, ces flèches sont plutôt bizarres. Akashi, sale tricheur, la supercherie a été découverte. Ah. Tu déshonores ta famille. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Après que je n'ai jamais... Très bien, merci étranger. Et j'ai obtenu des flèches. Test de savoir sur objet inconnu réussi. Oh, d'accord, mais j'ai gagné des flèches. Ah, ces flèches portent bonheur. Eh bien... Au revoir. Je vous surveille, étranger. Ah, je me suis fait un ennemi. Ça me paraît bien sûr évident. Bonjour. Bon, je vais me faire un ennemi. En quoi puis-je vous aider? À quoi sert cette tuée, madame? À laver la lessive. Nous remplissons la cuve d'eau glacée, nos guerriers s'immergent dedans. Oh! Combien de temps reste-t-il dans l'eau? Un bon moment, même s'il y a une limite, quelqu'un ne peut pas dépasser. J'aimerais essayer. Ça fait partie de nos rituels quotidiens. Oh, d'accord. Tout comme je vous viens de rester là. Qui êtes-vous? Je m'appelle Yulia, la reine de glace. Surtout, n'oubliez pas ça. Mais pourquoi? Que faites-vous? Je participe à l'entraînement des guerriers. Est-ce que vous avez des potions? Ok, donc là je peux faire partie des membres de la loge. Il y a énormément de personnes auxquelles je vais parler. Je suis Radius et voici. N'oublie pas ton titre. Radius le jeune et voici Vic, apprenti berserker. Ah bah d'accord. Ok, donc il y a des titres. Vous aider. Nous devons prouver notre valeur aux autres berserkers. Nous devons tout juste de passer l'initiation et comme nous sommes les plus jeunes membres de la loge, nous n'arrêtons pas de se moquer de nous. Les berserkers respectent surtout la force. Vous n'avez qu'à prouver que vous êtes plus fort qu'un autre membre de la loge. Le problème, c'est que tous les autres berserkers sont A. Et il faut que l'un de vous prouve qu'il est plus fort que l'autre. Bon, il y a peut-être un autre moyen. Avez-vous une idée sur la manière de vous y prendre pour gagner le respect? C'est que les autres membres de la loge sont meilleurs que nous sur tous les plans, on doit s'entraîner, c'est tout, mais l'un contre l'autre, mais pas l'un contre l'autre, je connais toutes les feintes par cœur. Ah.
Vous n'allez pas me faire du mal tout de même. Ah. Ça, c'est pour la bagarre. Très bien. Je vais pas prendre ce risque. Bienvenue à la loge du troll des glaces étrangers. Quel bizarre vous amène. Quel est cet endroit? De nombreuses loges du bazar, c'est ici que nous sommes formés. D'où vient le nom? J'ai pas vu de troll de glace en alchimie. Ce n'est pas étonnant, les trolls de glace sont des créatures dangereuses. Et quelle est votre technique de combat? Pourriez-vous me l'apprendre? Ah. Ok. Bon bah. Ah, il faut que je parle. Ah, il va me parler de tout le monde, au secours. À moins que je puisse. Nakal, il a pas voulu. N'a pas voulu. Très bien. Bon, bah, je vais laisser. Ah! Nakal le chaman. Bonjour. Ah. Et non, tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Les esprits s'agitent et réclament votre présence. Hâtez-vous d'aller à leur rencontre. Pardon. Venez me voir quand vous en saurez. D'accord. Oh, très bien. Bon. Bah, a priori, il attendait ma venue, mais pas tout de suite. Tout de suite. Il y a pas mal de toutes petites quêtes annexes à Mulsentir, mais ça implique du combat. Et pour le moment, ce n'est pas mon but. Mais je prends note, Peut-être que ce sera à faire dans la prochaine session. On va sortir de cet endroit et on va continuer notre petit, notre petite visite de cette ville. Alors là-haut, je sais qu'il y a le temple des trois. Et là-haut, c'est sûrement une sortie. On va déjà aller où? Statue. Oh. On va parler à cette personne. Avez-vous commis pour attiser un séfleur de dieu ours? Eh bien, écoutez. Je peux tout expliquer. Ah, mais c'est elle. Avez-vous des objets? Ah, très bien. Eh bien, je vais aller voir Kalia. Bonjour. Katia, pardon. Tant qu'on n'aura pas signifié le contraire, je suis aux autres... Ah, merci. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Est-ce que tu as des potions de guérison suprême? Oui. C'est exactement ce que je veux. Des milliards de potions. Héroïsme suprême. Sauvage abrite des terrifiantes créatures qui ébranlent le moral des berserk crachemis. Oh. Eh bien, je vais te prendre ça aussi. Est-ce que tu as des objets intéressants? Non. Très bien. Donc, ça, c'est l'endroit où les trois personnes qui ne m'aiment pas vraiment ont décidé d'être. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un... C'est sûrement un camp. Peut-être un camp. Ou alors une garnison. Bon. Pas d'annotation, donc. Autant ne pas se mettre ici pour le moment. Il y a un chemin, évidemment, je l'ai pas vu. Qu'avons-nous par ici? Une maison et des escaliers, parfait. Et ça mène directement sur la prison. Tant mieux, tant mieux. Ah, évidemment, une prison avec bien des choses pour ces prisonniers. Alors, qu'avons-nous ici? Bonjour madame. En dérangeant les esprits, vous m'avez dérangé moi aussi. Que faites-vous en ces lieux? Elle m'a dit que je trouverais ici de l'aide contre l'armée des esprits.
Cette vermine vous en donnera au premier signe de danger. Si vous voulez participer à cette folie, vous pouvez perdre les prisonniers, mais je vous préviens, deux d'entre eux sont inoffensifs, mais le troisième, protégez bien vos pensées. Oh. 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 Laissez-moi tranquille, je vous laisse tranquille. Krosnek le puissant. Joeb le tire-laine. Et je ne vois que deux personnes. Est-ce que le dernier est évidemment ici et retenu par un sceau magique ainsi que des objets? Je suppose que c'est lui la personne dangereuse. Je suppose que c'est lui la personne dangereuse. Allons quand même parler aux deux personnes ici. Je cherche de l'aide pour combattre l'armée des esprits. Jamais je ne me battrai contre les esprits, ils n'auront aucune tendance. Ils ne pourront rien faire si nous les détruisons tous. Je ne comprends pas, les esprits sont partout dans l'eau. C'est un guenodon, fils d'une guenode et d'un pauvre air malchanceux. Eh bien, fait de moi un paria. Et c'est pour cette raison que vous êtes en prison. J'étais pris au piège provoqué par trois scélérats de ma rage. J'ai sorti mon épée le premier et depuis j'attends. La mort. Mais attends, je... D'accord. Et toi? Quel crime avez-vous commis? J'ai bien entendu sur provenance de quelques pièces que j'avais trouvées au bazar local. Vous avez vous dites que les sorcières ont fait une erreur. C'est une simple différence de point de vue. Très bien. Au moins que vous ne soyez venu m'annoncer que je suis... Eh bien, écoute, il me reste que lui. Ah, d'autres geôliers viennent secouer ma cage. J'étais là, dans un rêve apaisant, et vous m'avez gâché mon plaisir. Oh, des mots mielleux venus de l'autre côté de la cage. Que dois-je chanter en retour, je me demande. Quelles que soient les runes et serrures qui m'enferment, des mots bien choisis devraient pouvoir les faire sauter. J'écoute votre offre, vous qui venez me sauver. Mon crime, c'est un crime odieux. Je suis trop agréable à regarder. C'est un fardeau que je dois porter seul. Par ailleurs, je ne m'intéresse nullement aux courbes gracieuses de votre ami tatoué. Ne voyez donc pas en moi un rival. Que vient-il de dire? Aucune importance, je reste. Ainsi, vous gardez toutes vos chances auprès du beau sexe. Ah, une petite pique dans le badinage habituel, avec une pointe de sarcasme. Vous ne devez pas être de Mulsentir. Ils n'ont absolument aucun humour dans le coin. Ma foi, ce badinage est délicieux. Mais hormis le privilège rare de ma conversation, vous devez bien avoir une raison d'être ici. Vous cherchez des soldats? Erreur de cellule. Je ne suis ni assez intrépide, ni assez désespéré pour aller me frotter à des barbares ou à des gens de thé. Allez chez les pauvres et agitez quelques pièces de cuivre. Cela donnera de meilleurs résultats. Est-ce que j'ai l'air de ne pas me plaire ici? Je vous assure que je suis très à mon aise et certainement plus en sécurité que cette ville quand viendra l'armée des esprits. Ainsi donc, ils sont ici. Je me demandais quand cela arriverait dans le monde réel. Disons qu'il arrive que mes rêves me laissent entrevoir ce qui sera. Cela dit, mes rêves n'ont pas eu la décence de nous présenter, ce qui est étrange. Si je puis me permettre, vous avez du cran de lever une armée contre eux. Ce n'est pas une bande d'esprits ordinaires, c'est un vrai nid de monstres. Ils veulent du sang et le crient si fort que je les entends en rêve. Et j'ai soudain l'intuition que le sang qu'ils cherchent, c'est le vôtre. Pirez-vous les sépultures? Il faut laisser en paix le tertre du dieu ours, faute de quoi on risque fort de le voir rappliquer très en colère. Amusez-moi donc. Pourquoi quelqu'un comme moi devrait-il vous suivre dans une bataille désespérée?
Ah, ainsi vous cherchez à piquer ma fierté. Pour quel genre de coureur de gloire me prenez-vous donc? Cela dit, j'admets que votre point de vue est sensé et flatte mon orgueil démesuré. Excellente réfutation. C'est de bon augure pour nos futurs voyages. Très bien, vous avez gagné un volontaire. On y va? Et s'il vous plaît, rendons visite à la sorcière en partant pour que j'adresse mes respects à cette belle âme. Eh bien, cela a été plutôt simple. Mais alors, qui es-tu, jeune personne ténébreuse? À part t'appeler Cam. C'est comme ça qu'il s'appelle. Gan, pardon. Alors, chaman spiritiste, très bien. Pas de divinité, jet de sauvegarde, c'est incompétence, estimation, bluff, perception, art de la magie, il va falloir que je vois tes sorts. Les dons, port des boucliers, parfait, ça me convient, soutien spirituel. Pour ce qui est de ton équipement, oh, armure de cuir, ah bah écoute. Autant te mettre une armure de cuir. Sagesse, protection, bracelet d'archer. Donc toi, tu es une personne qui combat à distance. Ce qui me convient au final. Et ouh, très belle lance. Lance plus 4. Très bien, très bien. Pour le moment, combat à distance. Botte des 7 lieux, ceinture d'agilité et... Tu as des sorts que voici. Voyons voir. Affaiblissement des esprits. Voyage spirituel. Rappel de l'esprit. Forme spirituelle. Protection. Bénédiction. Détection. Correction. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Écoute. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, j'espère que la vieille dame ne me posera aucun souci. Mes yeux se posent à nouveau sur toi, ô geôlier de mon cœur. Oh, geôlière. D'être enfin débarrassé de toi, fils de Gunnode. Oh bah. Bah dis donc. Moi, comme pour cette vie, tu n'es qu'une source d'ennui permanent. Assoulagement, déchirement de geôlière de mon cœur, crois-tu que. Une histoire d'amour-haine. J'aime beaucoup. Mais a-t-elle dit vrai? Elle dit vrai, je suis le pire ennemi des fermiers ayant une fille en âge d'aimer, le brigand masqué à un dragueur, un bourreau des cœurs. Très bien, eh bien, merci madame. Bien, 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 bien. Eh bien, nous avons une personne avec nous. Notre groupe s'élargit avec Gan. Et j'espère beaucoup que Gan pourra m'aider dans ma quête. Voyons voir. Et après, bah, du coup, il ne sera pas trop pour qu'on aille voir. Qu'on aille voir où se trouve la fille Kaylin la Colombe. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, c'est ici que nous allons nous quitter pour cette petite session de Winter Nights de Mask of the Betrayer. J'espère en tout cas que cela vous plaît, malgré les combats qui sont assez compliqués. Mais maintenant nous sommes trois, donc j'espère que cela ira beaucoup mieux. Je vous invite comme d'habitude à laisser votre petit commentaire si vous avez des astuces ou des trucs pour m'aider dans cette aventure, à mettre un petit pouce en l'air bien sûr, à suivre les autres vidéos de la chaîne et pourquoi pas à vous abonner et me suivre sur les autres réseaux sociaux. C'est très difficile à dire. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.